Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle semaine. On va vous expliquer ce qu'on va faire cette semaine. A tout de suite. Et mon mari, l'homme de ma vie. L'homme de mes envies. Ouais. Il finit le petit coin électricité. Hein. Il va mettre son petit tableau, il a fait ses dernières prises, il s'est bien pris la tête. Ouais. Hein? Bonjour les amis. C'est quand qu'on part? Il n'a pas fini encore. Ouais. Ah mais ça va le faire, ça va le faire. Donc là, hop, il finit le petit coin électricité. Après, on met le petit... adhésif PVC ici. Et puis après on verra, hein. On va pas dire trop en avance parce que à chaque fois qu'on dit en avance, on n'arrive jamais. Bah ouais, il y a toujours ça. Des trucs qui... Hein. Donc ne parlons pas de Balatom. Même si on en rêve. Ah, il va falloir le mettre au bout d'un moment, hein, sans déconner. Oui, mais n'en parlons pas, on verra. Toi t'en rêves. Hein. Ouais. On verra. Ah oui, moi je veux le Balatom et ma porte de salle de bain. Eh ben, on va les mettre. Affaire à suivre, les amis, affaire à suivre. Allez. Allez. On continue, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? T'as cassé le truc? Bah alors? Tu sais pas faire les nœuds? Mais t'es chiant, t'as tout niché. T'as les amis, elle est énervée cet après-midi là, c'est pas possible. Hein. Elle arrête pas de m'embêter. Vous avez vu la petite trappe là, petite trappe de visite? Elle touche à tout et puis elle casse tout. Sébastien, elle a même pas mis encore son truc en eau. Le circuit en eau. Il a peur. Oh, je suis sûre qu'il a peur. Tous les jours, on lui dit, alors, t'as mis ton circuit en eau? Bah non. Ah, c'est vrai. T'as peur, je suis sûre. Ah, tu flippes. Putain, m'énerve. Bon, sinon. Il y en a pas un qui veut la prendre chez lui, là? Hein? Non. Arrête, après je suis déboussolé sans ma petite femme. Ah bah oui, tu vois, t'es perdu sans moi, alors arrête. T'as passé 2 semaines de dépression. Voilà, il arrive pas. Voilà, regarde. Voilà. Non, tu vas pas laisser ça en plan. Hein. Bah, tu le répareras toute seule. Hop, voilà. Regarde. Hop, hop. Non, arrête, c'était bien. Ah oui, c'était bien avant qu'il touche, ouais. Bah, c'était mal fait, le nœud est pareil, il est parti. Ouais, bah, bien sûr. Allez, les amis. Ah, le compteur, il est beau. Oh, qu'il est beau. Donc regardez. Waouh, la lumière fut. Ouais, on a fait ça comme ça. Moi j'ai fait ça en sécurité, hein, les amis. Vous inquiétez pas. J'ai fait ça en sécurité, et sur un disjoncteur. Nickel. C'est juste au cas où un jour on a besoin. J'ai prévu une petite alternative pour brancher la power au tableau électrique. Bon bah ça y est, hein. Tu peux officiellement aller faire popo. Mais sauf que là il n'y a pas ce qu'il faut dedans. Oui, bah, là faut ouais, pas. On a fini les toilettes. Là faut pas faire ce qu'il y a à faire. Hein. Regarde. Impeccable. Ah, nickel. Ça c'est fait. Après. Donc ce matin, t'as fini l'électricité là-bas, ouais, on a fait les toilettes, j'ai mis les baguettes on a mis les baguettes pour les pieds, là, pour que ça pieds, passe ouais. Bobo aux pieds. Voilà, comme ça. Voilà, et puis, je crois que là, on va se poser le Balatom. Et là, du coup, on se pose le Balatom. La planche, on la met de côté. Oui, on va la mettre de côté parce qu'en fait, la planche, je préfère attendre de passer à la dréale. Voilà. Pourquoi? Parce oui, que voilà, non mais pourquoi? Parce qu'en fait avec la fameuse attestation pour les sièges de la route qu'on nous a demandé, au cas où,
au cas si où. Si on n'arrive pas à avoir l'attestation. Si on n'arrive pas à avoir l'attestation, au je peux toujours mettre une, encore des sièges. Une rangée de sièges ici pour homologuer vraiment les places. Voilà. On sera obligé. Donc on revient encore un peu en arrière, hein, mais bon, voilà, c'est. On est obligé de l'homologuer, hein, donc avec le nombre de places. Donc voilà. Donc si celles-là peuvent pas faire l'affaire, bon, on mettra là, puis on bah le canapé il sera plus petit du coup. Bon, c'est comme ça, hein. Bah on, ouais. Fait avec, hein. On fait avec. On verra bien si on arrive à avoir cette attestation ou pas. Ouais. Sinon, bah les sièges là-bas, ça sera que des sièges Pour manger. C'est tout. Voilà. Et ici, il y aura les sièges, les quatre sièges. Les quatre sièges pour rouler, ouais. Fais voir. Bon, là, il manque le seuil, hein, forcément. Ouais, là, on va mettre une barre de seuil ici. Une barre de seuil, ouais. Chut. Ouais. Un petit pied. Ouais. Voilà. Donc, le balatum est posé. Voilà. La marche est remise. Là, il faut remettre un bout de balatum. Et notre petite porte de salle de bain. Donc, très bien. Le roi Merlin. 69 euros. Bah écoutez, ça fera l'affaire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Pour le prix, c'est très bien. Voili voilou. Quand avant, je jouais. Quoi? Je sais pas jouer, les amis. Je sais pas tourner. Bah bravo.
Je m'en rappelle que avant on jouait à je sais pas quel jeu. Je sais plus comment le jeu il s'appelait. Et on faisait des drifts et tout. C'était quoi, Underground, je sais pas quoi là, non? Les Sword Speed Underground. Et bah alors j'y arrivais, je faisais des drifts et tout. Bah ouais. Bah là je sais pas le faire. Je vais te mettre une petite voiture simple. Hein. Ah ouais, une Fiat 500. Non, bah non, ça va être trop puissante parce que bah, toutes ces voitures elles sont gonflées au max. Alors je vais te mettre une voiture qui roule pas bien vite, mais il en a pas trop en fait. Attends. Oh bah non. Bah, il a que des voitures. C'est qui la font... cacahuète de police là, non? Mais non, et bah tu rigoles ou quoi? Elle fait 1000 chevaux la bagnole. Et il est gonflé à mort ces voitures. Alors non, il faut quelque chose qui roule normal, mais c'est pas facile. Hein. Attends, on va bien trouver quelque chose. Tiens, je vais te prendre la vieille cacahuète là. La vieille Datsun. Bah, attends. Ah, mais je sais pas ce qu'il a comme bagnole qui roule pas forcément bien vite. Mais un truc normal quoi. Mais attends. Allez, je me fais une petite course avant l'école quand même. Ouais. Avant, j'y arrivais bien. Il est plein de poussière. Ça change, hein? Ah, j'arrive à faire mes virages, hein? Effectivement, ça avance pas, ça. Je sais que ça arrive. Ça commence pas. Je sais, bah oui, c'est la fête des papas. Mais pas tes pieds là-bas, c'est dimanche. Pas tes chaussettes là-bas, sinon ça sert à rien d'enlever tes chaussures. Je l'offrirai là. Dans le... Ah, c'est beau déjà. Enfin. C'est trop beau. Super. Ah. C'est pour la fête des papas. C'est la fête des papas. Je l'ouvre. Ça parce que c'est marqué, mais c'est pas grave. Ah ouais. Wow. C'est un petit porte-clés, bonhomme. Ah, trop bien, c'est trop fort. Excellent. J'ai pris les couleurs que t'aimais bien. Rouge. Ah, c'est pour ça que la dernière fois tu m'as demandé un peu les bracelets et tout. Non, on en parlait dans les rouges. Oui, on en parlait. Ah, on en parlait. Mais c'était pas encore prévu. Elle est beau, regarde. Elle est trop beau. Ah, c'est trop bien fait en fait. Hein. C'est pour ça, c'est ça là, c'est dur à faire là. Ça va, mon ami? Regardez les amis! Oh, la tête avec attends, ça fait pas la mise au point du coup. Attends. Si. Voilà, ah non, attends. Hop, voilà. Regardez! Merci mon amour! Merci mon zizou d'amour. Merci. Voilà, donc je suis en train de calculer. Tiens, regarde, on va. Alors les amis, ouais, c'est vrai que moi je dis ça comme ça, mais. On ne sait pas trop. Je suis en train de calculer pour une future installation solaire. Je suis en train de calculer mes watts, tout ça, combien de temps ça va tirer par jour. Voilà. Je suis en train de tout calculer. Et je me prends la tête hein, parce que c'est pas simple pour moi ça. Mais bon, ça va le faire. Ouais, faut que je me fasse aider. Donc pour me faire aider, messieurs, dames, les amis, je compte sur vous. Parce que là, je patauge un petit peu. On arrive sur la fin du projet et il nous faut un système solaire, les amis. Dans un futur proche, on va investir dans un système solaire pour Gizmo. Donc, là, ça s'adresse principalement, la petite aparté, ça s'adresse aux amis qui connaissent et qui peuvent m'aider. J'ai calculé dans un premier temps, donc vous allez comprendre, j'ai calculé dans un premier temps nos besoins en watt-heure, en watt-heure par jour. Voilà. Donc j'arrive à un total de 8300 watt-heure par jour. Donc tout le système, voilà, calculer les puissances, les watts, machin, combien de temps tu les allumes par jour pour calculer tes watt-heure, tout ça, machin, plus à peu près les 30% de perte si tu mets un onduleur, un machin, enfin bref, t'as compris tout ça. Là, c'est pas ça que je cherche, ça j'ai compris ça. Ce que je cherche, c'est comment, en sachant que j'ai besoin de 8333 watts
enfin de 8000, on va dire 8500. 8500 watt-heure par jour de consommation. Attention, hein, c'est une consommation d'une journée où tout est allumé. Hein, voilà, où on se sert de tout. Okay. Donc c'est énorme, mais je préfère viser toujours un peu plus pour être tranquille. Donc ce que je vous demande, les amis, s'il y en a qui s'y connaissent, si je peux avoir des retours là-dessus, c'est par rapport à mes besoins. Donc je le rappelle, 8500 watt-heure journalier. Quelle installation je dois prendre? En sachant que j'aimerais bien passer en batterie, donc sûrement Redodo, voilà, je le dis, en ayant du Victron énergie en installation, et en panneaux solaires, j'aimerais, en fait, là, pour commencer, je peux mettre 6 panneaux, voilà, 6 panneaux solaires. Donc, 6 panneaux solaires, j'aimerais bien avoir le maximum du Victron, et j'aimerais bien avoir, qu'est-ce que j'ai dit ? Vitron énergie et les batteries des Redodo. J'ai besoin de 8500 watt-heure journalier, mais moi je suis paumé dans savoir est-ce que mes panneaux solaires sont compatibles avec mon onduleur. Mon onduleur, il faut que j'ai si. Machin, nani, nana. Donc là, je suis complètement perdu. Donc voilà les amis. Ok, donc 8500 watt-heure par jour du Vitron en installation si possible. Des panneaux solaires, je sais pas, je peux en mettre 6. Donc par rapport à ma puissance que j'ai besoin, voilà. Et les batteries Redodo. Bon, ça, les batteries en lithium, si possible du lithium. Alors, je vais vous dire les grandes lignes pour si jamais ceux qui veulent s'éclater, ceux qui s'y connaissent, qui veulent s'éclater à me faire un devis ou aller me chercher, tiens, tu peux prendre tel onduleur, Seb, mettre tel panneau, telle section de câble, tel machin. Enfin voilà, si vraiment sur l'installation solaire, si vous pouvez m'aiguiller, ça serait super sympa. Parce que là, je patauge, et j'ai beau faire des devis en ligne, machin et tout, je comprends rien du tout. Donc voilà. Donc, je m'explique aussi. Je suis pas fermé à Victron, machin. Le seul truc que je demande, c'est du lithium. Voilà. Minimum, les batteries en lithium, et j'ai pas la place de mettre plus de 6 panneaux. Donc, voilà, ça c'est déjà. Il me faut 8500 watt-heure journalier de consommation, en gros. Hein, voilà, après, on sait très bien que il va y avoir des jours là. Après, c'est pareil. J'ai ma P17. J'ai ma P17 et j'ai un tableau électrique avec tous mes disjoncteurs, hein, que vous avez vu, à brancher sur l'onduleur. Et la P17. Et je cherche un onduleur, justement. Je sais pas si ça se fait. Vous voyez un peu ma situation. Je sais pas si ça se fait. Mais c'est quelque chose, c'est que, par exemple, je sais pas, t'as ton onduleur branché sur ton tableau électrique, tu mets ta P17 et tout de suite, lui, plac, tu sais, il vient automatiquement, il prend... En fait, il tire plus sur les batteries, il tire directement sur la P17. Et si la P17 a fourni plus que ce qui est demandé dans le bus, est-ce que c'est possible qu'il y ait un truc qui recharge les batteries en même temps? Tu vois ce que je veux dire? Je suis une quiche, hein. Vous allez dire, ah, c'est, putain, tu déconnes. Bah ouais, mais j'y connais que dalle. Donc déjà que j'ai compris l'électricité, la plomberie, tout ça, machin, m'en demandez pas tant. Là, j'ai réussi déjà à comprendre, calculer mes watt-heure journaliers. Voilà, donc... Allez, bon, j'arrête de m'étaler. Les amis, je compte sur vous. En commentaire, n'hésitez pas à m'aider. Ça serait super sympa. Et puis, voilà, si vous avez des bonnes idées, peut-être me dire, tiens, il y a lui, il fait un sacré onduleur, c'est des onduleurs hybrides. Des hybrides, t'as pas besoin de MPPT, machin. Tout ça, je l'ai vu passer. Mais je suis incapable de le mettre en place dans ma tête. Voilà. Bon, allez, ou sur papier, du moins. Donc, je compte sur vous, si vous pouvez me filer un coup de main, c'est sympa. Les amis, c'est ça, le fait de partager. Allez, on continue la vidéo. Petit instant dédicace, n'est-ce pas? Oui. Il est concentré. Oui. Vous voulez faire un petit coucou à Patrick de Leroy Merlin? De Leroy Merlin. Longo. Ouais, c'est ça. Longo. Ouais. Ouais, Patrick. Alors, on n'attend pas Patrick? Moi, je suis sûr qu'on doit te la faire assez souvent celle-là. Mais. Non, mais merci à toi. Et content d'avoir fait ta connaissance, Patrick. Voilà. Super sympa, ouais, super, super professionnel. Ouais, c'est ça, super cool, super cool. Puis bon, bah, si tu vois la vidéo, bienvenue sur la chaîne. Et bah, profites-en, mon ami. Hein? Et puis, à mon avis, on se reverra peut-être un de ces quatre. Hein. Allez. Après, on a une autre petite dédicace à faire.
Oh, tu vas le poser ton ordinateur et ton crayon là. Oui, mais attends, je suis perturbé là. Hugues Olivier, son identifiant sur YouTube. Ah oui, ah oui. On l'a rencontré au comptoir. Ouais. Alors, tu prends pas ton bus? On est en train de manger, tranquillement. Alors, t'es pas venu avec ton bus? Oh. Première rencontre abonnée, hein, ça fait bizarre. Hein. T'es là en train de manger, alors, sincèrement, pendant 10 secondes, je me suis demandé d'où je te connaissais en fait. Tu vois? On avait déjà rencontré Charlotte et sa famille. Mais oui, oui, c'est pas on pareil, c'était un salon. On savait, voilà, on était au courant, voilà, c'était à Charlotte et tout. Ouais. Mais là, sans le savoir, ouais, ça fait bizarre. Ouais. On s'est dit, dans notre tête en même temps, on s'est dit, on est-ce ensemble, que c'est quelqu'un qu'on connaît, et qu'on reconnaît plus? On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, non, c'est quelqu'un qui me suit. Puis après, il dit, non, mais je vous suis sur YouTube. Ouais, ah d'accord, ok, ok. Bon bah... C'était sympa, hein. J'espère que t'as bien mangé, mon ami. Ah ouais, au comptoir. Ah, au comptoir, ouais. À Longo, à Longo, en face de Laurent Merlin. Bah, juste derrière Laurent la Merlin. La viande, elle est excellente. Ah, moi, je prends toujours du bœuf. Oh là là. Ouais, c'est pareil. Ah, c'est les entrecôtes. Il y a les entrecôtes, après, des fois, ils font des... Ah, moi, je prends les brochettes. Des brochettes de bœuf marinées, là. Oh là 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 là. C'est vraiment une tuerie, là-bas. Et puis même leur dessert, j'ai mangé le cheesecake au citron. Ah oui, c'est vrai que t'as bien aimé aussi. C'est le même goût, enfin ça m'a rappelé le goût, dans les magasins de cheesecake à New York, à Manhattan. Là, c'était le même goût. Et je suis un amateur de cheesecake. Hein. Et là, je vais te dire, bah franchement, chapeau. Pour un buffet à volonté, à combien par personne? On est à combien par personne? On est à 20 balles par personne. Je crois que c'est 17,90. Ouais, voilà, ouais, allez. Un petit peu moins de 20 balles en gros. Mm. Pour un petit peu moins de 20 balles, franchement, tu manges des. Bon, franchement, c'est bon. Sushi à volonté et tout. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est top. Donc, bon, tout ça. Putain, j'ai craché. Tout ça pour ça, j'ai envoyé un Faucon Millenium. Tout ça pour dire. Eh ben, voilà, mon ami. La petite dédicace est faite. Et tu nous as bien surpris sur le coup, je vais te dire. Hein ouais. Puis, bah, peut-être qu'on se reverra sur Amiens de C4 hein, en même temps. Bon, allez, bisous, moi, je repars dans mes. Non, tu repars pas, on n'a pas fini. Ah merde. On a aussi un petit message à passer. Pour Cédric. Ah oui, c'est vrai. Pour Berry 3D. Pour Cédric, ouais. La personne qui nous fait le camping-car... Playmobil pour Curtis. Voilà. Du coup, Cédric, il souhaiterait déménager et implanter son entreprise vers Marseille. Donc, au cas où, si vous êtes du coin de Marseille ou si vous connaissez quelqu'un du coin... qui loue quelque chose, un petit studio, une petite chambre aussi, il m'a dit. Ouais. Quelque chose de pas très cher dans les environs de Marseille. Un petit pied-à-terre à Marseille. Un petit pied-à-terre à Marseille pour qu'il puisse commencer à s'installer. Ouais. Et ben n'hésitez pas, vous pouvez le contacter par mail. On va mettre son mail dans la description. Ouais. Voilà. Mais merci pour lui, c'est sympa. Si vous avez quelque chose ou si vous connaissez quelqu'un sur Marseille, un petit pied-à-terre, voilà, c'est cool. Sur ce, voilà, hein. Bon, moi, je repars dans mes calculs, hein. Allez. Eh ben, tiens, regarde, même lui, il en a marre. Ah, merde. C'est trop long. Bon, bah, il est temps de se dire au revoir, peut-être. Du coup, tu veux plus bosser. Allez. Ciao, hein. Ciao, ça. Ça fait comme la dernière fois, mais... Bisous. C'est comme ça, moi, je vais calculer. Bye, bye. Ciao.